Yo les amis, c'est Erno95 aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur Sunset Overdrive, toujours en compagnie de Citrouille. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors là, qu'est-ce que nous allons faire? On va pas parler à Norton tout de suite, on va parler aux membres de la groupe. Aux membres du groupe. Oh là là, punaise, j'ai cassé un petit chaton porte-bonheur. Il paraît que quand on casse un chaton, on a 7 millions d'années de malheur. Pour lever la malédiction, il faut le remplacer par plein d'autres chatons. Moi, je veux pas 7 millions d'années de malheur. Il faut que tu m'aides. Bon. Minou, minou. Il y a un groupe de scab près du centre commercial. Je crois qu'ils ont des chats porte-bonheur. Ok. En approche. Attention, les scabs utilisent les chats porte-bonheur pour fabriquer des bombes. Je sais, c'est vraiment pas bien. C'est eux qui vont avoir 7 millions d'années de malheur. Allez. Deux chats. Le petit chaton, il est où le petit chaton? Il est là. Je crois. Hop. Petite critique contre-constructive. Il est là le petit chaton. Oh non, il s'enfuit avec le dernier petit chat. Si avec ça on n'a pas 7 millions d'années de malheur. Stylé le petit clin d'œil à Retour vers le futur.
le t-shirt et tout. On dit qu'il est plus bas, mais... On ne me dit pas qu'il est... Ok, mais il est où le petit chaton? Tu as réussi. Vite, dépêche-toi de revenir. Maintenant, les 7 millions d'années de malheur veulent ta peau. Presque, j'espère, parce que là je suis en train de... Allez là. Merci, merci, merci. De rien, de rien, de rien. Bon, allez, on va voir Norton. Juste avant. On va voir que ça peut me proposer elle. Le petit marteau. Marteau d'arcor. Ok. Moi, je préfère celle-là. Bob Dealer. Hop, munition max. Ok, je peux pas. Allez, on parle. C'est de localiser Brill Crime sur leur radio. Mais tout ce qu'ils entendent, c'est ça. Les médecins recommandent de boire 17 canettes d'overcharge par jour et... La station radio se situe là. Si tu détruis les trois émetteurs près de la tour, on pourra plus facilement localiser le général Brill Crime. Alors, tu crois que tu en es capable? Carrément. À tout de suite. Ça marche, à tout de suite. Allez, on lance la mission. Est-ce qu'il voit des armes, des nouvelles armes? Tourelle copter. Ouais. Et reviens vite, hein! On va voir ça après. Allez. 300 mètres. Ok. C'est quoi ce truc? Mètres.
des robots ninja. Oh oh, eux, ils ont l'air mastoc. Ok. Qu'un émetteur pète aussi fort? Non, c'est pas normal là, à mon avis. Je crois que j'ai énervé la fourmilière. Ah ouais. Ok. Désolé, monsieur l'émetteur, rien de personnel. Ah, le géant. Le géant pas content. Il faut que j'arrive à monter. C'était pas du tout ça que je voulais faire, mais bon.
Ouais. Pourquoi ça marche plus? Ça m'énerve, j'ai presque plus de vie en plus. Et j'ai l'impression que des fois elle déconne ma main. Pas du tout évident.
Bon, j'essaie de là pour battre deux boss. C'est chiant à faire. Et voilà, je suis encore tombé. Pourtant il est étourdi, je tire sur lui, mais non. Surcharge de la rame, servo moteur oculaire réinitialisé. Ok.
Parce qu'il faut que je fasse attention de ne pas tomber en plus. Pourquoi là je tire sur lui et ça sert à rien? D'accord, oui. Pourquoi ça te blesse pas là? Bon, sur ce les amis, c'est sur ça que je vais vous laisser. Je vois que la vidéo va être super longue. J'espère que la vidéo vous a plu quand même. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, qui sont en bas de la description. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. À laisser un commentaire aussi, ça me fera super plaisir. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour.